Bonjour frères et sœurs, salutations au nom de notre Sauveur Jésus-Christ, à vous tous autour de la région pacifique. Je vous remercie pour ce privilège, cette opportunité que j'ai de partager ces mots avec vous. Notre sujet est en avant. En avant, bien sûr, veut dire d'avancer tout droit. In a forward direction. De bouger en avant. Or moving forward. Dans la Bible, Dieu donne l'instruction à Moïse dans le livre de l'Exodus, chapitre 14, verse 15. On lit. Et le Seigneur dit à Moïse, pourquoi est-ce que tu m'appelles à l'aide? Dis aux Israélites de se mettre en route. Ceci est une instruction de Dieu à son servant, le prophète Moïse. Qui a la tâche de guider les enfants d'Israël. Et Dieu le dirige à mener les enfants d'Israël en avant, pas en arrière. Quand on continue à lire Exodus 14, verset 16, cela dit, « Prends ton bâton en main et élève-le au-dessus de la mer. Ouvre-la. » Et les enfants d'Israël pourront rentrer à la maison à pied sec, au milieu de la mer. Encore une fois, avec les instructions que Dieu a données à Moïse, il demande à Moïse d'élever le bâton. Il lui demande d'étirer son arme au-dessus de la mer. Et quand il le fait, l'eau s'est séparée. Et la Bible dit, les enfants d'Israël ont marché sur le sol sec, au milieu de la mer. Maintenant, regardons dans Patriarche et Prophète, page 290. Cela dit, c'était par la foi qu'ils sont passés à travers la mer Rouge, comme s'ils marchaient sur terre, comme s'ils marchaient sur un sol sec. En marchant jusqu'au bord de l'eau, ils ont montré qu'ils croyaient les mots de Dieu, comme dit par Moïse. Ils ont fait tout ce qui était dans leur pouvoir. Et puis le Tout-Puissant d'Israël a séparé les eaux pour faire un passage pour leurs pieds. Quand on regarde ce passage, ça l'a dit, c'était par la foi avec les enfants d'Israël et avec le prophète. Ils sont passés à travers la mer Rouge, à travers un sol sec. Encore une fois, ça nous dit que ils ont vu qu'ils croyaient les mots de Dieu parlés par Moïse. Quand on continue à regarder, la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 29. Par la foi, ils sont passés à travers la mer Rouge, comme si c'était un sol sec. Ce que les Égyptiens ont essayé de reproduire. Et regardant à ces enfants d'Israël, c'est par la foi qu'ils sont passés à travers la mer Rouge. Malgré le fait que les Égyptiens les poursuivaient.
Mais la Bible dit, essayons de faire la même chose, était noyé. Les Égyptiens ont perdu leur vie. Au fur et à mesure que Dieu amène les enfants d'Israël à aller en avant, malgré ça, dans Patriarche et Prophète, page 290, il dit, Dieu, dans sa providence, a mené les Hébreux dans les montagnes immenses, devant la mer, qu'ils puissent faire connaître son pouvoir dans la manière dont il les a libérés, de la domination de leurs oppresseurs. Il aurait pu les servir d'une autre façon. Mais il a choisi cette méthode en ordre de tester leur foi et de renforcer leur confiance. Alors on peut voir là que, à travers la providence de Dieu, il a mené les Hébreux devant les montagnes, devant la mer. Il manifeste ses pouvoirs pour les délivrer et aussi pour que les gens soient humbles. Il a plusieurs façons de les sauver. Dieu a choisi dans l'ordre de tester leur foi et de renforcer leur confiance en lui. Frères et sœurs, parfois nous Juifs nous sommes, parfois nous suivons nos propres idées, mais Dieu a un plan pour nous. Dieu a une méthode et il a un chemin pour nous, pour sa commission du gospel. Il dit là, dans le livre des Actes, chapitre 22, verset 21, regardant à l'expérience de l'apôtre Paul, Dieu est en train de lui parler. On lit, et le Seigneur m'a dit, va. Parce que je vais t'envoyer au loin, aux gentils. Maintenant, Dieu appelle ces grands apôtres à bouger, à voyager, à aller de l'avant. Parce qu'il a un plan. Il a une façon. Il connaît la direction. C'est pour ça qu'on lit dans le livre des Actes, chapitre 22 et verset 21. On continue à lire dans Témoignages pour l'Église, volume 6, page 413. Combien de personnes réalisent le péril des pécheurs? Combien de personnes est-ce qu'elles connaissent qui sont en péril, qui sont séparées de Dieu, en prière et supplication, en train de le supplier? Quand on regarde à cette déclaration, cela nous rappelle combien d'entre nous réalisent les dangers, les problèmes, les situations de nos chers frères et sœurs qui sont dans le péché, de nos frères et nos sœurs qui ne viennent plus à l'Église, de nos frères et de nos sœurs qui se sont égarés. Combien d'entre nous
attacking those who know their perils, their perils, qui connaissent leurs problèmes, so many of us are qui prient pour eux, that God que Dieu les them. Aide, que God Dieu les serve serve them or et les ramène. C'est un challenge pour nous que nous devons penser à aux frères et aux sœurs qui font face à différentes situations dans leur vie. L'une de mes histoires favorites dans Éphésiens, on lit, fait il y a 100 ans, c'est une histoire d'un large groupe de gens qui vont vers une meilleure vie et une meilleure terre. They begin pour commencer le voyage, regardent leurs affaires précieuses, chargées dans des wagons, tirées par des chevaux, et en avant, ils s'en vont. Mais le chemin devient plus raide. La route devient plus étroite. Et les wagons sont trop larges, trop lourds, et les choses doivent être déchargées. Pendant que le groupe continue à escalader, ceux qui n'ont pas abandonné leurs bagages sont déjà par terre, avec les pieds nus et les habits sur le dos. Le voyage prend maintenant une différente tournure. À travers la douleur, à travers les challenges du voyage, Dieu a guidé sur le côté des falaises. Falaise d'un côté et ils se tiennent au rocher de l'autre, qu'ils ne tombent pas et restent à l'écart de l'autre côté. Pour être capable d'escalader, et quand ils escaladent, continuent et grimpent, de plus en plus de poids doit être jeté et de plus en plus de confiance placée. En Dieu. Surprisingly, l'un est en proportion de l'autre. Éventuellement, ils atteignent leur destination. Un cratère énorme est entre eux et la meilleure terre. Il y a seulement une façon de le traverser. Ils doivent se tenir à Dieu et se balancer de l'autre côté, foutant toute leur confiance et leur poids sur eux. Ils le font, ils arrivent. Les batailles, les challenges, les problèmes sont finis. Frères et sœurs, ça n'importe peu qui vous êtes, où est-ce que vous vivez, si vous êtes vieux, si vous êtes jeune, vous êtes riche ou si vous êtes pauvre, nous faisons tous face à des problèmes. Ne vous retirez pas dans le désespoir. Dieu a un plan. Et surtout pour vous, les jeunes. Il a de l'aide disponible pour vous. Il n'est pas surpris par ce qui se passe ou ce qui va se passer. Mais il veut que nous allions de l'avant. En conséquence, prie que nous tenions pendant cette nouvelle année, que nous lisions nos Bibles et l'esprit de prophétie encore plus qu'auparavant et avec un cœur ouvert, que nous laissions le Saint-Esprit nous diriger. Nous aide à comprendre la volonté de Dieu. Et nous avons besoin plus que jamais d'avoir la foi qui vient quand on écoute et écoute le mot. Que Dieu vous bénisse day by day, jour après jour, vous ici qui sont en avance sur nous.
qui vous donne la force. Vous aurez besoin d'être en accord avec le cri, gardant ses commandements et grandissant dans votre expérience chrétienne. C'est ma prière, au nom de Jésus. Amen. Amen. 44,000 saints in this wayfaring life.